Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, on va parler encore une fois d'une crypto-monnaie exotique avec un gros potentiel fois 100, un petit cadeau pour mes abonnés et pour les nouveaux également, le Change, le CHNG. Oui, énorme projet sur la DeFi ou plutôt le DEX, exchange décentralisé. Alors, c'est quoi Change? Change est un énorme projet tout récent qui fait partie de la tendance 2023 et même automne 2022. Et on compte beaucoup. Certains ils disent qu'il va faire même x500, mais personnellement, x100, ça me suffit largement. Alors, moi j'y crois énormément. Et comme j'avais dit avant, ça fait partie de mes cryptos x100 que je possède sur Mext. Donc, si vous n'avez pas de compte Mext, je vous conseille fortement de créer un compte. Je laisse le lien en bas et vous allez gagner 40% de frais de trading. Et faites un portefeuille avec des valeurs risquées. Vous n'allez pas le regretter, mais avec des projets solides. Ce sont des cryptos risqués, mais ce sont des projets solides. Alors, le CHNG. Oui. Ça va être un projet avec une grande concurrence pour les banques. Vous pouvez avoir vos comptes, vous pouvez swapper, vous pouvez avoir des intérêts annuels jusqu'à 8%. C'est super bien. Vous pouvez aller sur leur site. Ça propose pas mal d'informations. Il y a une bonne équipe. Sur Twitter, ils ont une grande communauté. Et surtout que ça fait partie des sujets qu'on en parle tout le temps, comme le Tao, comme le A0, comme le Loop, comme le Hegel, comme le Hecta. Donc pour moi, le CHNG, c'est quelque chose qu'on doit avoir, qu'on doit acheter durant ce bear market, parce que on ne sait pas, ça peut faire x100, x150, x200, je ne sais pas. Mais la même histoire s'est répétée à l'époque avec Matic, avec Cardano, avec Ripple. Il y a beaucoup de gens qui ont fait x100, x150 avec un capital de 1000 francs. Le jour au lendemain, vous allez avoir 150 000 francs. Oui, si on ne prend pas des risques, on n'aura pas des grands gains. Vous voulez faire x5, alors achetez du Bitcoin. De toute façon, c'est de la crypto-monnaie. Voilà. C'est risqué, c'est super risqué. Si ça se casse la gueule, on charge. Si ça monte, on est content. Mais il faut surtout vendre au bull run. Là, on est en période de bear market. Surtout, ne faites pas d'erreur de faire du trading. Vous allez le regretter énormément. C'est encore gratuit. Tout ce que vous achetez pour l'instant, c'est gratuit. C'est comme vous achetez un Ralph Lauren à 3 francs. Votre Ralph Lauren qui coûte 150 balles, vous l'achetez à 3 francs. C'est ça le bear market. Il n'y a pas une meilleure définition que ça. Donc, comme j'ai dit, la plupart des crypto-monnaies exotiques arrivent d'abord sur des crypto-monnaies comme Mext, ou sur des plateformes comme Mext, comme KuCoin, comme Bitmart, comme OKX, comme Get.io. Alors, si vous n'avez pas de compte sur ces plateformes, parce que les prochaines crypto-monnaies, les pépites, se trouvent seulement sur ces plateformes, ne me parlez pas de Binance, s'il vous plaît. Binance est une perte de temps. Chaque mois, ils délistent et n'arrêtent pas de délister des crypto-monnaies parce que ça n'apporte pas. Vous connaissez très bien la méthode pour être sur Binance. Il faut avoir un volume d'échange plus que 100 000 francs chaque 24 heures. Si ça, c'est pas ça, ils vous délistent. Donc, Binance, ils sont là pour se faire de l'argent. Ils sont pas là pour que vous faites de l'argent. C'est bien pour une chose, pour le staking. Il y a d'autres plateformes qui sont super bien aussi pour le staking, comme le Bitmart, ou vous pouvez staker directement sur les sites internet comme le Raidium ou le Polkadot, mais là, il faut avoir une grande somme et d'une grande valeur. Donc, revenons au CHNG. On va parler un petit peu technique. Donc, c'est une nouvelle crypto-monnaie. Et n'oubliez pas, toutes les nouvelles crypto-monnaies qui sont nées durant le bear market représentent un gros potentiel. Voilà, déjà ça. Autre chose, ils ont un max supply de 800 millions de tokens. Ça, c'est déjà bien.
Et aujourd'hui, ce n'est pas vraiment cher. Donc, imaginez-vous que vous avez 100 000 CHNG, 100 000 tokens de change sur 800 millions, bah, vous serez bien si vous faites x100. Donc, on ne parle pas. Les prédictions, certains disent que le change 1$ ou 10$, ça reste de la spéculation. Nous, on veut juste x100. C'est très possible s'ils font leurs preuves, s'ils restent tout le temps dans la tendance 2023. Et ça me plaît beaucoup parce que ce projet, j'ai entendu parler déjà en hiver 2022 et là, on est en printemps 2023 et on en parle encore. Le CHNG token, c'est quelque chose d'énorme. N'hésitez pas, faites vos recherches. Ce n'est pas un conseil financier, mais je vous conseille fortement de s'intéresser parce que c'est quelque chose de bien et surtout, ça représente un gros potentiel. Pour les petits étudiants, je vous conseille à partir de 100 francs, pourquoi pas, parce que 100 fois 100, ça fait 10 000. Et pour ceux qui ont les moyens, je dirais de 1000 jusqu'à 5000, après, ça dépend de vous. C'est la communauté, c'est les crevettes qui peuvent combattre la baleine. On a marre d'être bouffé par des baleines et être manipulé par eux, mais le jour où la crypto-monnaie sera acceptée dans le monde entier, là, ça sera trop tard. Il y aura beaucoup de riches, la porte sera fermée, le train il sera complet et il y aura plein de millionnaires. On aura un autre problème, ce sera comment gérer sa fortune, mais pas comment gérer ça. Alors, donc le bear market n'est pas fini, je vous conseille de DCA, ça c'est important, DCA, DCA, DCA. Il faut avoir quand même une valeur sûre, au moins une valeur sûre. Moi, je ne suis pas contre les portefeuilles sûrs, mais il ne faut pas avoir le 100% sur le Bitcoin, le 100% sur l'Ethereum, parce que vous n'êtes pas dans la crypto-monnaie. Vous ne soutenez pas les altcoins, vous ne soutenez pas les nouveaux projets. Il faut être dans le train un petit peu partout, parce qu'on ne sait pas. Moi, je suis persuadé qu'il y a une qui va faire x100, et il y a même une qui va faire x1000. Pour moi, personnellement, je dirais entre Dune et le Loop. Pour moi, ces deux-là, ils peuvent faire x1000. Après, ça reste une conviction personnelle. Chacun ses convictions. Si vous avez d'autres cryptos, n'hésitez pas à me l'écrire dans les remarques. J'ai eu pas mal de remarques des gens qui m'ont écrit en commentaire leur crypto-monnaie et j'ai fait des vidéos exprès pour ça. N'hésitez pas, j'ai largement le temps. J'essaie de faire 2 vidéos par semaine. Parce que vous savez très bien que j'ai ma vie professionnelle aussi. Il n'y a pas que la crypto-monnaie. Mais on est là comme une famille. Je compte énormément sur vous. Je respecte énormément votre soutien. Ça me fait vraiment plaisir quand je reçois un message le matin quand je me réveille en me disant « Continue de faire ça. Vous êtes courageux. Ça nous motive. On sera millionnaires ensemble. J'aimerais bien. » On est comme une famille, on fait tous nos recherches. Moi, j'ai mes ressources, vous avez vos ressources. Et surtout, il y a une raison principale pour laquelle je fais ces vidéos. C'est quand je fais mes recherches sur YouTube ou sur Twitter, il n'y a personne qui parle de ces pépites en français. C'est scandaleux. Elle est où la communauté française? Je ne trouve que des vidéos des Canadiens, des Américains ou des Indiens ou... C'est en anglais. Je trouve jamais une vidéo en français. C'est impressionnant. Je parle des pépites. Moi, je parle pas de Solana ou Polkadot ou Cardano. Eux, ils essayent de se faire de l'argent. Ils vont vous demander de s'abonner sur leur chaîne payante, Telegram ou leur site. Mais moi, je suis pas comme ça. Moi, je vous demande pas d'argent. Là, je suis là pour discuter avec vous. Comme une conférence, on parle. Je reçois vos conseils. Je reçois vos messages et j'agis par rapport à ça et j'essaie de faire de plus en plus des vidéos des pépites. Vous allez voir si vous allez sur ma chaîne comme quoi que j'ai déjà fait des vidéos il y a 2 ans en arrière, c'était en anglais, mais j'ai arrêté. Donc pour l'instant, je m'adresse seulement au peuple francophone parce que je trouve que c'est mieux vu que j'habite en Suisse. On parle français, je parle français, vous parlez français et je préfère ça et comme ça je cible les francophones, parce que c'est quand même une communauté superbe.
Ils sont très intelligents, très ambitieux. Il y a des énormes projets français. Je respecte énormément le monde de la crypto-monnaie française, y compris iOS, Terre Noire, vous savez très bien, CAPS. Je les soutiens énormément. Power Civic, le Winky, tout ça, ce sont des le Galion, tout ça, ce sont des projets français. Je les soutiens énormément. J'ai déjà fait des vidéos sur ça il y a une année en arrière, quand c'était déjà des ICO, mais je reviendrai plus tard. Donc, je pense que c'est fini pour le CHNG et je vous promets que je vais mettre d'autres vidéos avec un potentiel fois 100, les pipites ou les crypto-monnaies exotiques. N'hésitez pas à me contacter sur Instagram ou sur Twitter, c'est Amin Sakharov. C'est le même nom que sur ma chaîne YouTube. Je réponds à tous les messages en privé, mais vraiment à tous les messages. La plupart des gens sont sérieux et je sais très bien comment cerner les gens sérieux que les arnaqueurs. Alors, ça me fait vraiment plaisir et n'hésitez pas à liker la vidéo. Un like, c'est très important pour moi et même un abonnement. Et si vous voulez ouvrir un compte pour acheter du CHNG, il y a le lien dans la description de la vidéo pour ouvrir un compte sur Mex. Et si vous avez besoin de soutien technique, je serai là, il n'y a aucun souci. Et à la prochaine fois, je vous aime tous, les futurs millionnaires.